Bonjour à tous, c'est Spider Tough. Et Pooh, Chicken Things. Et on est les Brothers. Gamer. Et on se retrouve sous le soleil couchant de Los Santos. Je croyais que t'allais dire autre chose. Hein? Sous le soleil. Je sais pas quoi, une chanson l'a compris. Non. On se retrouve donc sur GTA 5. Et on va essayer de commencer cette vidéo par un fail. Big win ou un big fail, je sais pas, on va essayer de prendre un tremplin. Ouais, ben. Un tremplin qu'on avait montré lors de notre présentation sur notre chaîne. Et il est où? Il est où? Il est où? Non, je peux pas montrer. Ah putain, fais chier, toi. Fais chier, joli. C'est pas possible. Ah bah, t'es plus qu'à retourner au fond, voilà. Putain, dans notre vidéo, on avait cherché des bagnoles pendant je sais pas combien de temps et elles sont toutes. Il y en a partout. C'est pas grave. Attends, on va recommencer. Vas-y, c'est parti. On coupe, bien sûr. Bon, là, c'est moi qui joue, hein, pour préciser. Et vous l'aurez compris de toute façon. Ah, mais non, mais ça m'arrive des fois par contre. Je fais un truc, genre un saut unique et puis je le foire complètement. Ouais, attends, ça sert à rien d'aller trop loin non plus. Ah, je pense que là, t'as une deuxième chance, mais je pense que la voiture, après, elle subira pas autre chose. Moi surtout, je t'ai sûr que c'est là. Non, c'est pas là. Non, c'est celle-là, mais il faut que je la prenne. Non, je déconne, je la prenne comme ça. Oh putain, mais c'est pas vrai! C'est pas possible! Mais putain, mais je m'étais bien décalé. Je me fends la poire, j'adore. C'est pas grave, bon, je fais un troisième essai, après ce sera. Attends, est-ce que dans la vidéo, est-ce qu'on pourra mettre l'extrait de Austin Power qui se gare dans un couloir? Oui, non. On peut le mettre? Non, oh merde. On peut pas le mettre. Parce que ça me fait penser un peu à ça. Vous aurez compris le but de cette vidéo, c'est pour rester dans la continuité de ce que font les Cheetahmen et. Et sur la Cheetah Family, c'est vraiment avec une petite touche faillite DBG. Sur ce GTA 5. Attention. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Oh putain! C'est passé. Bah attends, il faut que tu contrôles pour faire ton saut unique. Ah oui, merde. Je pense que c'est bon, là. Ouais, je pense qu'il est pas trop mal, là. Mais il faut que, voilà, avec je sais pas. Oh putain, Non. Si. Oh putain. Oh, joli. Raté. Big fail. Bon. Attends, je vais te passer le véhicule, tu vas faire soit celui-là. Ah, vas-y, on va essayer de faire celui-là. Il y en a un autre, il y en a pas mal. Hein. Ah ouais. Dans la zone où on est, là, il y a pas mal de sauts. Donc, du coup, voilà, lors de la vidéo, on va essayer de montrer un peu différentes activités qu'on peut retrouver dans GTA 5. Notamment, on va aller après dans la zone. Ah, il y en a un autre. Non, c'est pas un. Dans la zone désertique. Et on va aller faire donc la deuxième course de triathlon qu'on avait déjà commencé lors de. La première vidéo, donc on va se faire encore un petit défi entre Pooch et moi, malgré que l'endurance du personnage de Pooch au maximum. Donc du coup, on va voir comment se comportent nos concurrents. Mais lors de la première course, tu m'amènes vachement loin. T'as envie que je faille la fond, quoi. Ah non, mais vas-y, je te. Ah non. Oh putain, mais non, quel con. Je me suis mal arrêté. C'est pas grave, il y avait d'autres véhicules. C'est pas possible. Il reste accroché. Ah non, mais allez, moi je me marre parce que. Putain, mais. Déjà que dans GTA, rien ne se passe comme prévu. Non, mais rien ne se passe comme prévu dans les vidéos de toute façon. En plus, étant donné notre skill dans les jeux vidéo, et notamment dans les open world, ça promet. C'est mortel. On peut prévoir des trucs, mais rien ne va se passer comme il faut. Et là, tu vas te faire bouffer par un requin, ça. L'eau, elle est quand même bien faite. Oui. Moi, je kiffe les vagues et tout, le mouvement de l'eau et tout est vraiment. Vraiment bien fait, donc je comprends pas que certains puissent critiquer sur ces ouf. L'eau est dégueulasse. Sur le forum, non sur les forums. Gens ont peut-être des PC surpuissants, je sais pas. Bref, normalement, il y a des véhicules, et puis après, je te laisse la garer là où tu veux la garer. Hein. Donc, du coup, après, on va aller faire le triathlon, et on ira peut-être faire une petite partie de chasse. Ouais, une petite session de chasse. Une petite session de chasse, histoire de changer un petit peu, et puis de montrer les différentes possibilités du jeu aussi, et les différentes activités. Parce que. Oh, il y en a un aussi là, regarde. Là, il y en a un là. Oh, putain, on fera peut-être. Là, c'est la zone pour en fait. Y aller. Je crois qu'il y en a un là. Il y a celui qu'on a fait. Il y a plein de petits. Il y en a un autre au bout là-bas aussi. Ouais. Je crois qu'il y en a 4-5 dans cette zone là. Donc, c'est un petit peu. Oh putain, il n'y a plus en plus. C'est un petit peu tentant en fait. Quand tu arrives dans ces zones là, ça te tente de prendre un véhicule. Véhicule. Bon, normalement, il y en avait. Ah putain, ils ont dépopé et il y en a un autre qui a popé. Ah bah génial, en plus le meilleur véhicule qui Ah vas-y, c'est pas grave. Hein. Vas-y, je passe la manette à Pooch. Attention. Du coup, il va essayer tu fais le même saut que moi déjà, voir si tu si t'arrives à le faire. Moi c'est parti. Donc du coup on attend aussi avec impatience, parce que cette vidéo là j'espère la poster avant que le mode en ligne soit effectif, parce que t'es en train d'avoir internet. Hein. J'ai toujours pas récupéré ma connexion internet, donc j'espère la poster un peu avant que le mode en ligne arrive. Mais c'est vrai que lorsque le mode en ligne va arriver, il y aura pas mal de délire à faire aussi. Mais là, on pourra vraiment jouer tous les deux avec merde en plus. Ouais, par contre, et puis l'accélération même, ça va aller. Par contre, t'as un sale temps là, la visibilité est pas terrible. Merci quoi. Ouais, merci. Voilà, vas-y. Du premier coup ou pas?
Eh non, bah alors. Autant direct. Oh la vache. Ah non, mais moi je rigole pas. Moi je te fais ta session en une seule fois. Moi. Ah, bah maintenant, comment on a galéré pour trouver un véhicule, ça va être chaud. Non, mais si j'accélère à fond, je pense que je peux faire sous-marin. Merde, par contre, je peux crever aussi. Ouais, tu peux crever. Fais gaffe à ta vie. Putain. Va pas fêler. Bah l'apnée, ça y est, tu l'as augmenté. T'as pas fait beaucoup d'apnée hein, jusque-là. Hein. Ah bon? Ah non, hein, c'était ah ouais, deuxième barre, hein, tu vois. Je pensais qu'elle était à 100, mais non. Non, 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 j'ai dû rêver. Bon, bon bah, superbe que... session. Je suis pas sûr qu'il y aurait un... qu'il y ait un véhicule qui soit là directement. Ah, purée, ah si, t'as, ah bah, t'as un meilleur bol. Véhicule, par contre. Vu comment on a galéré à trouver un véhicule avant. Il pleut comme vache qui pisse, quoi. Ouais. Du coup, l'adhérence du véhicule. C'est vrai que la conduite a changé par rapport à GTA 4 aussi. Les véhicules sont beaucoup plus balèzes à manier. Carrément. Que dans GTA 4 même. Regarde-moi ça, regarde. Hey, il pleut tellement que. Attends, tu m'as. Défi de merde, quoi. Putain, est-ce que je me fais le saut au fond? Mais vraiment, tous les soucis du détail hein, du jeu, c'est affolant. Ne serait-ce que même les cartons qu'on voit là. Hein. T'as la physique des cartons, quoi. T'as des jeux qui se feraient pas chier. Non, ça c'est sûr. Putain, j'ai réussi. Oh, tu ouais. Normalement, tu dois atterrir sur le toit? Ouais, j'avais envie de faire sûr. Ouais, bah. Ouais, voilà, tu voulais me montrer un win. Mais peut-être pas, oui. Pas si win que ça. Non, pas si win. Non, je vais le louper. Non, les roues, c'est bon, ça devrait aller. Non, je vais le louper. Ouais, je sais pas, ouais. Non, t'as pas atterri sur. Et t'as pas atterri sur les roues. Non, atterri sur le toit. Très, très bien garé. C'est comme ça qu'on se garde en GTA. Généralement, ça finit toujours comme ça. Oui, c'est clair. Par contre, non, bah t'es obligé de retourner là-bas. Oh non. Du coup. À moins que. Non, il y en aura pas là. Ah, chut. Il y en aura pas là, on va galérer. Bon, vas-y, retourne vite fait. Vas-y, je et pense s'il n'y a pas de véhicule, tant pis, on passera directement à la course de triathlon parce que sinon on va galérer pendant 3 heures à chercher un véhicule. Non. Et ça va être vachement intéressant en vidéo tout ça. Oh, les jolis plots. Oh, on voit qu'il y a la physique sur les plots. C'est clair. Ah, peut-être, t'as vu, peut-être que ça a popé puis la dernière fois. Non, ou alors ça sera un camion et tout ça. Non, vas-y, va au bout là. Normalement, ils sont garés au bout les véhicules. Oh, purée. Mais t'es vraiment obligé d'aller au bout de l'entrepôt. Ah, là. C'est bizarre ça. Je sais pas. Il y a plein de trucs pour se garer, tu sais. Oui, il y a plein de places de parking, mais non, pas de véhicule. Pas de véhicule, mais en même temps, à ce temps-là, il y a personne. Ah, si, il y a quand même une personne qui se balade là. Il y a un véhicule surtout. C'est le gardien de nuit. Il fait son petit tour. Il y a un de. Ah, il y a un mec chelou derrière moi. Il y a un mec chelou derrière moi. C'était. Ah, mais je l'ai même pas fait en version discretos. Il y a la camionnette. Est-ce que tu veux faire le son en camionnette? Est-ce qu'on fait les ombres chinoises? J'ai fait le canard. Attention au tour de Pise. Et le bras d'enfant. Alors, vas-y, montre. Ouais, ouais. Tu le fais en Bugstar ou quoi? Bah ouais. Vas-y, tu t'en bats. Tu fais le même saut que moi. Alors vas-y, tu retournes au bout putain, là-bas. Ouais. Je vais faire tout le tour. Et tu prends ton élément. Alors pourquoi ça veut pas démarrer? T'as pas les clés? T'as besoin de clés quoi? T'as besoin de clés dans le jeu. Allez go, putain, l'aberrance de merde. Attends, mais c'est pas possible quoi. Dès que tu m'as passé la manette, il a plu quoi. Oui. Ça s'appelle de la loose. Check ton bout, sinon c'est pas toujours attiré par les poteaux. Hein, oui. Depuis notre vidéo. Non, mais j'aime bien les poteaux en fait. Depuis la première vidéo qu'on a faite, t'es toujours attiré par les poteaux. Oh, oh putain! Oh la physique! Ah, là, elle a morflé. Hein. Non, c'est exactement ce que je voulais faire. C'est... Ouais, ah, ben là, on peut voir là, ce qu'il y a à l'intérieur du véhicule. Voilà, même ça, ça a été modélisé. Ouais, hein. Même ça, c'était modélisé. Avant, il se faisait pas chier, maintenant. C'est clair, tout a été modélisé. Je sens le fail. Ouais, je vais tricher. Ah, tu changes de vue exprès pour pas le faire. Oui, bah non, la visibilité. Ah, la visibilité de merde. Ah, non, putain, c'est le là, camion. C'est là, là. Le camion. Là. Oh, bien, oh, joli. Vas-y, t'as gagné le droit de recommencer toi aussi. Ah, mais je l'ai abîmé, regarde. Regarde, je fais des. Ah, je monte. Ouais, la roue fonctionne encore. Hein. Ah, mais pas tip top. Hein. Pas tip top. Et est-ce qu'il y a un véhicule là? Et là, je suis au max. Hein. Ah, ouais, t'es au max. Non, non, tu l'as défoncé ton véhicule en fait. Vas-y, y a pas une voiture là, juste là? S'il y en a une, vas-y, tu prends celle-là. Oh putain, hey, on va failer ce truc. Vas-y, dernier essai, parce que là, ça fait déjà 3 jours qu'on est là-dessus. Ah purée. Moi, j'ai ma barbe qui commence à pousser, là. Ouais, surtout, rester connecté, hein. Parce que... Après, une page de pub, bien sûr. Oui. Là, déjà, je vais faire une sorte de tonneau encore. Mais pourquoi ça glisse? C'est pas le temps de sécher. Pour encore. Non, mais c'est de la, là, il y en a la physique du véhicule. Non, je vais le faire, j'ai passé de... Non, tu fais le même que moi, normalement, pour voir si tu réussis. Non, là, tu dois être pas trop mal, là, point de vue distance, ça sert à rien d'aller trop si, loin. Si, non si, plus. Je veux un attends, tu veux... Ouais. Le temps que te caler par rapport au... C'est rien, t'as vu ça? Par rapport au saut, bah vas-y. Bon, dernière essai, mais mon véhicule est plus gros aussi, c'est abusé. Ouais, mais cherche pas des excuses. T'as eu le temps de le faire deux fois, là.
Ouais, faut que je te décale. Bah, oula, oula. Mais non, c'est... Ça pue. Voilà. Ouais, pareil que moi, t'as vu, c'est chaud à apprendre à... Ah non, mais c'est pas possible. Parce que plus t'approches du truc, en fait, et plus t'es tenté de... Je sors la mort. Vas-y, sors... essaye une dernière fois. Sérieux? Ouais, vas-y. Tu sais quoi, je fais celui-là. Bah, ou fais celui-là, comme tu veux. Ah, mais sinon, ça pue le fail, de toute façon. Non, mais celui-là, c'est pareil, en fait, t'as... Putain, y'en a un là aussi. Y en a partout, en fait, ici. Hein. Ici, y en a partout. Ouais, mais ah, tu pars de là pour là? Non, ouais, ça va être chaud. Non, faut que t'ailles de l'autre côté. Et comme ça, tu prendras le virage, tu seras dans ton virage. Oh! Oui, joli. C'est pourri. Que tu es. C'est là qu'il faut passer. Ouais, je sais. Bon, tu tentes celui que j'ai fait ou, ouais, ou l'autre? Non, je tente pas. D'accord. Les autres parce que je sens que ça appuie le fail, ce sera pas intéressant. Ouais, on dit que c'est ton dernier essai, après on va aller faire un petit tour attention. Du côté du pays de Trevor là-bas. Tout ce que j'ai. Je t'ai dit rien. On va aller chez les rednecks. Oui, je sais. Mais j'ai bien fait. Moi, tu m'as fait peur, je croyais que tu te barrais. Je m'en fous de ton défi de merde. C'est de la merde ton défi. On se fait chier depuis un quart d'heure. Je me fais dans le cul. Oh putain, t'as plus d'être un ami. Nous, on veut des fusillades. Oui, c'est. Oh la vache, oh la. Ouais, non, mais ça pue. Là, je sens que ça pue. Ah, vas-y. Là, je sentais que ça pue. Bon, ouais, c'est bon. Allez, on va pas y arriver. J'abandonne et puis en plus. Vas-y, appelle le tacos. On va aller directement au triathlon. Comme ça, on va se faire un petit c'est défi triathlon. C'est tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Attends, je regarde s'il y a d'autres choses. On pourrait se faire aussi des défis tir, mais non. Sinon, non, il y a les parachutes aussi qu'on fera après. On peut aller au cinéma, histoire de se faire... On pourrait faire des vidéos juste pour les films de ça, faut le découvrir tout seul. C'est quoi ça, déjà? Ah, fléchettes. Les fléchettes. On peut faire... Non, oh, triathlon. On a dit triathlon, on fait triathlon. Ne commence pas à partir en couille, il y a tellement de choses à faire dans le jeu. Et plein de... Donc, du coup, on appelle le taxi, comme ça, on va y aller direct, on va aller plus vite. Bah, là, ça fait déjà un quart d'heure qu'on est sur les sauts. T'as réussi quoi, et moi j'ai failli quoi, c'est pas possible. Bah, j'ai réussi, non, je l'ai loupé le truc parce qu'en fait le véhicule faut vraiment qu'il atterrisse. Bah, je crois que c'est sur les. Faut que t'atterrisse vraiment sur le. Sur attends, terreau, t'as vu la marche que j'ai avec le camion? Ouais, il était un peu plus fin. Il y avait un autre véhicule là, s'il vous plaît. Ouais, non, non, on se laisse pas tenter. Non, c'est... on va perdre on des minutes. On peut passer 50 minutes de rien qu'à essayer de faire les sauts. Hein. Oui, c'est mal nous connaître. Bon, par contre, le taxi si il va arriver par où? Une mouette, 20 minutes plus tard. Est-ce qu'il va trouver l'entrée? Non, je sais pas. Il va devrait arriver là, normalement. Bah, de toute façon, il m'amène dans une prison, il m'amène n'importe où. Donc, ouais. Dans notre première vidéo, on avait appelé un taxi, il nous avait, je sais pas où est-ce qu'il nous avait amené, il nous avait emprisonné. Taxi driver. Ah, vas-y, va sur la route là, comme ouais, ça au moins. Je vais le réappeler parce que là. Il va arriver directement. Putain, il y en avait un là écoute. Aussi. Mais. Et où est-il? C'est quoi ce bordel? Non, c'est pas le taxi qu'on entend. Vas-y, bah rappelle-le hein, parce que. Est-ce que je crois que c'est mort. Je crois que c'est mort. Oh putain. On va faire une coupe, hein. C'est pas possible dans la vidéo. On va faire une coupe. Et hey, voilà, on est arrivé. C'est clair, non, mais au pire, on va faire ça parce que. Allez. Allez, vas-y, dépêche-toi. On t'appelait normalement dans la seconde. Non, t'es là. Hein. Si je reste là, dans même pas 20 secondes, il est là. Non, mais même pas. Même pas. Dans 2 secondes, oui. S'il est pas là, moi je paye pas la course, hein. C'est même pas la peine. Moi je le tue, je prends son taxi, je me casse. Où je il arrive, non? C'est ce con, là, carrément? Non, je suis pas sûr. Oh putain, mais... Vas-y, avance un peu. Ah non, t'es obligé de rester... Ah non, mais normalement, il arrive là. T'es obligé de rester au même endroit. Ah, moi qui connais pas le coin, mais cet enfoiré, bah, il m'a enfermé dans un truc de... Est-ce qu'il y a à côté des entrepôts et tout, t'as tellement de petites routes et tout que... Putain, il me dit pas qu'il faut que... Que pour que ton point soit bien marqué, si, bah normalement, il devrait arriver. Mais qu'est-ce que c'est que ce bug? Bon, on va aller à pied jusqu'à là-bas. Oui, c'est clair. Ça, je sais pas. Tu crois qu'on peut aller à l'intérieur? Toujours pas. Hein. Tu crois qu'on peut aller à l'intérieur de ce truc-là? Non. Non, c'est dommage que t'as des bâtiments, t'as envie d'y aller, ouais. Mais... Bah, surtout que c'est marqué Gas Company, donc t'as envie de faire exploser directement. Oh, mais j'ai un bidon d'essence, ça tombe bien. C'est clair. Non, normalement, c'est bon. Là, normalement, si je l'appelle, là, il aurait dû te trouver déjà. Ou alors, il était en bas, peut-être. Mais putain, bon. Les lumières sont magnifiques. Quoi. C'est clair que les éclairages sont super belles, notamment de jour quand t'es dans... En montagne et tout, c'est super beau. Ouais, ça fait quand même déjà 3 fois qu'on oui, vous appelle. Magnifique, ça fait un bail que je leur ai insulté au téléphone, mais bon. C'est clair, moi il arrive, tu butes le chauffeur et puis on prend le taxi, on y va. Hein. Tu prends sa recette, tu te casses. Non, mais c'est clair. Enfin, là, Trevor, ouais, une fois qu'il nous a déposé, on le bute et on pique ça. Ouais, mais c'est recette. Ça en fait. Hein. Je l'ai pas testé ça encore. Putain. Bon, mais... ah, il est là. Ah, oh, putain, ah bon, et puis en plus, il tire comme une merde, il va se faire défoncer. Ah mais sérieux, il m'attend là? Oui, on a pris le... Hé, hey, reviens.
Voilà, on a pris le mongolito du coin. Elle devant sa tronche. Elle a dit tu passes à son ouais, passe, bon. On a mis 3 quarts d'heure à trouver un taxi, c'est quand même énorme. Il connaissait pas le coin, je crois. Et tout ça pour faire un triathlon. Oui, alors déjà là ça sentait le fail, là ça sent encore plus le fail. Oh bordel. Ouais, le temps de chargement, on comprend, c'est un peu long là, faut oui. traverser toute la ville. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il nous emmène directement au truc. Regarde ça, joli, regarde. Hey. Les lumières des. Bon, j'ai pas sorti mon flingue. Merde, si j'ai sorti mon flingue. Non, le sors pas, t'inquiète pas. Panique pas, t'appuies juste sur R1 et tout, si tu peux le ranger comme tu veux. Ouais, non, mais j'ai déjà. Je voulais braquer une épicerie l'autre jour, je voulais juste. Là, braquer. Mettre en joue le mec, et ben non, comment. Je sais pas, réflexe L1, R1. Ben non, il est resté collé sur son comptoir et j'arrêtais pas de tirer. Ça arrive, l'excitation du braquage. Ah, génial, je vais braquer. Et là, Uzi et tout part. Ouais, vas-y, on va faire la deux. La deuxième course de triathlon, parce qu'on avait fait la première dans notre vidéo pour, notre chaîne. Donc on va voir s'il y a un peu plus d'obstacles et si la compétition est un peu plus rude là, même si notre, notre endurance elle est à 100% avec, avec Trevor. Mais non, mais Trevor avec une combinaison, mais c'est... C'est juste énorme. C'est clair que ce personnage, il ressort du jeu et puis il devient complètement culte. Ah bah carrément. Il y en a qui l'aiment pas, enfin qui aiment pas trop jouer, qui est Trevor. Enfin moi je le trouve excellent. Moi je kiffe et je surkiffe sur Trevor. Même les trois, chacun ont leur personnalité. Ouais, mais ce leur... côté. Mais même, j'ai envie de dire, moi, ce que j'ai ressenti, enfin, jusqu'à présent, c'est que Michael était dans le. Pas au centre, mais presque. Mm. Et Trevor, ils avaient un sacré charisme. Par contre, Franklin, j'ai l'impression que. Enfin. Je le trouve bien. Je le trouve bien. Mais j'ai l'impression que c'est pour les fans de Saint-Andreas qu'ils l'ont mis. Ah, je sais pas, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai une impression comme ça. Ah, peut-être que je me trompe, mais ça a ressenti ici. Puis ça fait. Bah, je sais pas. Bah, oui, ça moi, fait je trouvais leur pari remporté, hein, le fait d'avoir mis trois personnages et puis trois personnalités différentes. Bah, et puis, peut-être que je m'attachais niveau Trevor, ce côté foufou et Michael, parce qu'il est père et tout le bordel, c'est normal. Mais putain, merde. Tout tourne. Ouais. Et putain, c'est vachement loin. Ouais. Ah, ils sont un peu plus collés que Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis trois personnages, c'est pour que tu t'attaches à un des trois. Enfin, ça convient plus. Ouais, puis ça te donne une nouvelle dynamique au jeu aussi, au moins. Oui, voilà. Ça prouve qu'ils ont. Ils ont essayé de renouveler un peu, de ne pas rester appuyé sur leurs acquis, et puis d'essayer de proposer quelque chose de nouveau. Et c'est Paris, tant mieux. Paris réussi, parce que ça aurait pu être risqué de proposer trois personnages. D'autant plus, dans l'industrie du jeu vidéo, il y en a beaucoup qui sortent des jeux tous les ans, qui restent, qui font du copier-coller et qui disent voilà, il y a pas nouveau jeu, tu peux customiser ton arme avec une couleur kaki. Ben, voilà, c'est ça la nouveauté. Je ne dirai pas de nom. Mais vous savez quoi ? Dans le 8, on mettra un hamster. Voilà. Dans le bras d'explosif, il éclate. Ah là, il y a un chien quand même, les gars. Non, mais de toute façon. Et puis, c'est clair que là, le pari est complètement réussi. Et puis, putain, je suis au coude avec l'autre. Ça donne d'autant plus de gigantisme au jeu. Et puis, les missions sont hyper variées, on l'a dit. C'est et pas du tout lassant. Ah ouais, on nage main dans la main. On finira ensemble. Alors. Ils sont un peu plus serrés que tout à l'heure. Oui, eh ben, je sens que c'est un peu plus dur. Du moins lui, mais bon, là c'est que l'épreuve de natation, donc après avec les vélos. Enfin, mais je vais le carotte. Normalement, tu vas pouvoir le carotte. Vas-y, dégage, purée, dégage. Voilà. Oh, génial. En plus, tu l'as un peu poussé. Vas-y, prends le premier qui vient. Le premier là qui vient, parce que de toute façon. Autant tout à l'heure, fallait prendre celui qui était. Oh oui, génial. Attends, je voulais renverser l'autre, j'ai pas réussi. Je vais me prendre un poteau, je sens que je vais me prendre un poteau. Ça, c'est du fair play, ça. Ça, c'est du fair play, ça, à la pooch. Je vais les écraser. Le mec, il écrase les concurrents quand il prend le vélo. Putain, on est dans le désert, je pense que les nouveaux obstacles, je pense que ça devrait le faire. Oh putain, pas à travers les maisons, pas à travers. Putain, ça me gratte. Non, c'est toi que je me gratte. Non, te gratte pas. Tu veux que je te gratte pour toi? Ça me gratte, je veux du pantalon. Non, mais vas-y, je te laisse te gratter. Trevor style, quoi. Trevor style. Oh yeah. Attends, vas-y. Oh putain, le palmier. Ouais. Non, c'est bon. Il y a un petit obstacle qui était bien au milieu du truc là, pour sûr que tu le manges. Ah, je pense que ça devrait être. Bon, là, je pense que tu les as largués avec l'endurance au maximum qui ne diminue pas. Hein, non, mais je sais pas, c'est un bug. Je trouve ça bizarre. Ouais, je trouve bizarre aussi de regarde, tout à l'heure. Nickel quoi. Mais depuis tout à l'heure, on filme et puis l'endurance ne diminue pas. Ah, est-ce que c'est un bug ou pas? Est-ce que le fait que notre endurance soit au maximum. Je tiens à dire, j'ai pas utilisé de code. J'ai toujours des trophées. Ouais, cheaty code, ouais. Cheaty code. Oh, ouais, ça va être haut la main, donc on va être obligé de se baser autant encore. Quoique, avec moi,
Le vélo, je risque de manger le premier poteau que je vais croiser à ta droite. Putain, la vache. Vas-y. Mais m'aide pas, tu veux perdre quoi. Non, ah bah ils sont derrière toi quand même. Hein. Ils sont. Si tu mets la caméra derrière toi. Ah, putain, attends. Maintenant tu pourras pas. Avec ton pouce, il spam. Ah, purée, ah, c'est chaud. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Ouais, je spam. Bon, ouais, c'est clair que ton ambiance ne diminue pas, donc c'est un peu cheaté. Hein. Bah ouais, c'est cheaté, puis je trouve ça bizarre. Quoi. Étant donné que l'arrivée est juste là, donc on va se baser par rapport au temps. Putain, ah, mais je trouve ça franchement bizarre. Quoi. Du coup, ouais, ça sert à rien l'endurance, en fait. Bah là, c'est ouais, chelou, c'est bizarre. Ouais. Écoute, bah... Disez-nous, j'ai dit. Dites-nous. Disez-nous, si c'est normal ou pas, qui coule. Par contre, moi j'ai l'or et je trouve ça trop bien. Non, mais dites-nous si c'est 4, normal 5. Ou quoi, je trouve ça bizarre aussi. Dans hein. Les classements, je vais voir. Parce que alors là, tu vas exploser le temps de tout le monde. Ouais, bah oui, avec mon endurance de Foufou the Night. Avec ton endurance de Foufou the Night. Attention. Est-ce que ça marche, hein? Oui. Ouais, par rapport. Ah oui, en plus, oui. J'ai explosé Leaky Fan, désolé. Par contre, en global, il y a des 21 000. Meilleurs temps que toi. Hein. Putain, il a fait 3,40 l'autre. Et le premier, ouais, en 3,40. Il a traversé les bâtiments, le mec. C'est clair, le mec, il vole. Quoi. Putain, mais l'homme qui vole les 3 milliards. On peut faire recommencer, là. Continuer. Ah non, on est obligé de retourner. Ah, on va retourner au départ de la course, de toute façon, on doit pas y être très très loin. Vraiment, ça nous a ramené quasiment à côté. On fait une boucle, quoi, en fait. Hein. La boucle est bouclée. Et pas du tout parce que c'est juste à côté. T'en as un juste à côté ou quoi? Celui-là, on l'a check. Il y a une autre, regarde. Ah oui, il est là. Ouais, putain, on va faire le même sinon. Et du coup, ton temps, tu t'en rappelles 4,05. Non, 3,40. Non, 3,40, c'est le premier. Tu fais la gueule ou quoi? 4,5, non, je crois que c'est 4,5. Ouais, 4,05. Ouais. 4,05. Par contre, j'ai pas rencontré de narcotrafiquant ou quoi? Dans ce désert. Pas un véhicule, là, que c'est obligé, ils ont mis un cannibale encore. Même si. Ah, ici. Top. Oh putain, j'ai bien cette caisse là. Donne-moi ton véhicule. Espèce de redneck, tiens. Vas-y, dégage de là. Excellent. Voilà. Donc on va pas dire non plus tous les petits clins d'œil, hein, parce que tu parles de trafiquants, tout ça. Oui. Tous les petits clins d'œil qu'il y a dans le jeu, hein, c'est. Il y en a quand même pas mal même de clins d'œil par rapport au. Il y a aussi des clins d'œil de films. Au film, à la série, au jeu GTA en global et tout, c'est oui. Vrai qu'il y a quand même pas mal de clins d'œil, donc on va pas les citer là pour pas spoiler non plus, pour vous laisser la surprise. Ouais, c'est clair, mais je suis sûr, mais ce qui est bon aussi en ligne, c'est sens... les expéditions, ça j'adorais dans Red Dead. Ouais. Tout un groupe, t'es allé sur le forum, il y avait tout un groupe d'expéditions pour trouver des Easter Eggs ou des trésors, des trucs comme ça. Mm-hmm. Même les trucs hantés, c'est ça, j'aime bien quand il y a des trucs comme ça, je trouve ça vachement fait. Je pense qu'il doit y avoir quand même pas mais mal de choses cachées ou qui n'ont pas encore été trouvées. Il va voir que t'as battu son score, il va faire attends, c'est pas possible. Comment t'as fait 4? Oula. C'est pas bien de se garer comme ça. Ouais, j'ai rien à foutre. Oula. Casse-toi la blonde. Je veux participer. Oula, Trevor Style. Ouais, les mecs ils veulent se chauffer contre moi, mais attendez, on va régler ça au triathlon. Ouais. C'est parti. Tenue moulante. Bon, très bon. Ouais. Ce qui est con, c'est que l'endurance ne diminue pas. Donc, est-ce que c'est un bug depuis qu'on a allumé tout à l'heure? Par contre, c'est marrant que toi, t'es le plus fait bug et que. Et le fait. Oui, bah, oui. Attends que j'ai le vélo, tu vas voir si le bug il sert beaucoup. Oh la vache, oui. Et est-ce que c'est le fait qu'on on enregistre une deuxième vidéo à la suite de celle qu'on a juste fait avant et que du coup le bug il reste? Parce que c'est vrai que là, l'endurance. Oui, écoutez, je spam à fond le bouton et l'endurance ne diminue pas en bas à droite. Hein. Bah écoutez, comme ça, au moins la course. C'est dans la popoche. Putain, et je suis sûr que le premier mondial, il a une rapid fire. Ah comme oui. Manette. Du ah coup, le truc, pas, il a juste appuyé une ou deux fois, le truc, il fait 10 000 150 fois sur le, oui. C'est clair, sur le bouton. Non, mais je comprends pas, quoi. Ou à moins qu'il y ait, je sais pas, bah non, il n'y a pas 36 000 sur raccourci, quoi. Bon, quand même. Chaud, quoi. En tout cas, si vous avez GTA, essayez de battre les records qu'on fait, mais enfin, ça va pas être très dur. Non, surtout que nous c'est cheater. Hein. Ah bah oui, non. Oui. Traité de cheater. Non, mais je comprends putain, pas. Pourquoi je me suis arrêté là? Je sais pas. Ouh là, j'ai perdu quelques centièmes là, c'est pas bon. Mais est-ce que j'étais au coude à coude avec le premier? Ouais, mais là, le premier il est large, mais ça veut rien dire parce que. Ah non, il est là, regarde. Il est devant moi. Ouais, mais t'as perdu quand même, regarde quelques. Position 5ème. Ouais, putain, j'ai perdu des places. Ouais. Non, où c'est ma rapidité au pouce là? Essaye de faire ma technique, essaye de les écraser en fait. Oui, c'est clair. Non, mais. Moi, si je pouvais les abattre.
C'est tout. Putain, sans le minigun et tu les abats tous. J'imagine bien Trevor en train de nager, essayer de foutre au fur et à mesure des bombes collantes sur le dos de ses concurrents. Quoi. Une fois que je serai en ligne droite, je vais tester la. Putain, mais. C'est mon pouce ou quoi qui faiblit là? Parce que j'ai l'impression que je suis moins bien positionné que toi. Là, c'est clair. Hein. Pouch se fait attaquer par une bestiole. C'est quoi le bordel? Non, on vit pas dans une cave. Oh putain, non. Oh putain, j'ai voulu changer de vue. Mais du coup, je suis parti complètement à droite. Nom de Zeus. Allez. C'est bon là ou quoi? Non, le premier quand même. Putain, pourtant je spam, hein, mais là je commence à faiblir même. Oh la vache. Elle est longue là cette course là. Oui, bah, surtout natation, la natation là, c'est chaud. Alors que la course à pied, ouais, elle est plus rapide. Ah, mais je trouve ça bizarre quoi, l'endurance, sérieux, ça perd son challenge quoi. Ah, meilleur temps c'était 4.05, voilà, il est affiché. J'ai pas encore jeté un coup d'œil là-dessus, je regardais mon endurance. On est comme des cons à redire le score. Ouais, ouais, non, il était juste marqué là, ton meilleur score. Vas-y, écrase-le. Vas-y, prends le dernier, écrase-le. Merde. Ouais, je vais prendre celui-là. Merde, mais non, fallait prendre. Bah, regarde, il veut prendre celui-là. Bah, non, regarde, il va gagner du temps en fait, le temps que tu t'installes. Non, t'inquiète, je m'installe bien là, je me cale bien dans la selle, et c'est parti. Merde, ils ont enlevé la selle, c'est pas grave. C'est pas grave, je m'en fous, je la fais en danseuse. Je vais faire oh là, oh. Ouais, bon, puis je commence à. Ouais, c'est super sensible. T'as un foufou, toi. Ouais, le bike. Ouais, mais tu vas gagner le champ. Non. Putain, t'es même pas obligé. Ça se trouve, je me fais chier à aller dans le rond alors que ça c'est fou. Non, mais des fois, tu passes juste un petit peu à côté. Je crois que ça le valide. Sans hein. Déconner. T'es pas obligé de passer dans le rond, regarde. Ah, je pensais, moi, tu vois. Non, t'es pas obligé de passer au centre. Mais du moment que tu l'effleures, je crois que ça le valide. Hein. Putain, ça peut. Droite, quoi. Ça peut gagner aussi sur le temps. Bah, vu le mec qu'il a fait 3 et quelques, je pense que oui. Ouais, je pense que t'as moyen de prendre un raccourci. Ouais, carrément. Alors, quand même, faut rester sur la route parce que si tu. Arrive sur la terre, tu perds un petit peu de. Allez, on y est presque. Un palmier. Trois trails, c'est bon. Là, je peux peut-être le faire. Je sais pas à combien t'étais arrivé à ce niveau-là. Je sais pas. Là, on va bientôt attaquer la phase de course. C'est le mec qui. Oh putain, mais il me rattrape lui. Comment ça se fait? Je sais pas. Putain, une biquette. Non, je déconne. Me penche peut-être plus en avant parce que. Oh, le caillou, je l'ai vu. Ouais, j'ai bien effleuré. Oh non. Hé. Chaud, ah oui, non, je crois que c'était c'est fini, putain. Non, c'est pas fini, il reste encore la partie à pied. C'est pas possible. Il reste la partie. Attends, à pied. Attends, mais le mec, il est déjà arrivé quand même. Hein? Le premier mondial, il est déjà arrivé. Ah oui, il était arrivé. Il a zappé un truc. Putain, je comprends pas là. Mais, putain, le mec, il est Polinja. Là, moi, je suis en train de me galérer, je vais avoir hyper mal au pouce. Après, je te passe direct la manette. Mon pouce, il est en train de se décrocher de ma main là. Vu comment je spam, mais c'est vrai que bah, du coup, on n'a pas géré l'endurance là. Parce que des fois, tu fais une petite pause, tu restes juste appuyé dessus pour pas avoir à spammer tout le temps le bouton, mais. Chaud, mais ça se trouve, le premier mondial, il y a encore un 4-6, de toute façon, là, je suis large, c'est bon, t'as gagné. Ouais. Ça y est, Pouch a gagné. Yeah. Et juste c'est pour bon le fun, ça. J'arrive quand même. Hein. À bout de souffle, Trevor, oui, avec moi, mon pouce. Ouais, mais c'est clair. Ouais, il est claqué avec toi. Bon, bah écoute, je sais pas comment il fait le premier mondial, mais pour faire. Mais je pense qu'il a un bug aussi. Je pense qu'il a le même bug que moi déjà. C'est obligé. Déjà, est-ce que nous, on l'a pas ce bug là? Parce que je trouve ça extrêmement bizarre que l'endurance ne diminue pas. Ou alors le fait qu'on soit déjà 100%, tu peux courir comme tu veux. Mais je sais pas. Et est-ce qu'en ligne, ça sera pareil? Non, je pense pas. Parce que ton personnage, ça sera un personnage que tu crées, donc tu devras aussi l'entraîner. Ouais, tu recommenceras un peu à zéro. Tu fais avec des plus hauts niveaux et toi, t'es bas niveau de merde et tu fais des courses, mais le mec, tu gagnes jamais quoi. C'est impossible. Bah, ça. C'est celui qui spam un peu plus vite le bouton, je sais pas. Enfin, j'espère qu'ils vont trouver un système de flingue donc, dans le dos parce que. Vas-y, tu vas prendre un véhicule et puis on va aller du coup à la mission chasse. Non, on va aller chasser un petit peu. Mais c'est vrai que, point de vue détail, ce GTA regorge de détails, c'est affolant. C'est clair, puis. Surtout quand tu arrives dans cette zone-là pour la première fois, t'es juste, tu dis, wow, putain, c'est quand même super grand et t'as l'impression de gigantisme de la carte qui te saute aux yeux. Quoi. Bah là, j'ai le gigantisme du véhicule. Parce que tu vois les montagnes au loin et tout, et tu peux y aller. Hein. Bah, carrément. Du coup, tu vas peut-être marquer la zone de chasse. C'est le mec qui non, moi je suis Trevor, je fais ce que je veux. Rien à foutre. Elle est là. Attends, ouais. Là. Bon, allez, on va y aller avec ton véhicule, ou on va prendre un autre véhicule peut-être, on va voir. Ou on va y aller avec ce véhicule, on va voir ce qui va se passer sur la route, parce que il peut se passer aussi des événements. Il peut y avoir des morts aussi. Pourquoi je vais. Ouais. Il peut se passer des événements spéciaux aussi lors de notre trajet jusque là-bas. On va voir ce qui va nous arriver. Bon, Pouch. Joli. Ah, mais non, mais t'as voulu tourner en fait, je croyais que tu fonçais volontairement dans le. Oh la vache! Excuse, non mais je voulais juste. Le chien tester. À Franklin quoi! Je voulais juste. Désolé pour ceux qui aiment les chiens, mais je voulais juste tester si on pouvait les écraser. Parce qu'il y en a qui disaient on peut pas écraser les chiens, on peut pas les tuer. Alors j'ai juste voulu tester, c'est-à-dire premier. Eh ben si, on peut les écraser. D'ailleurs, les coyotes et tout, hein, si on peut écraser tout ce qu'on veut. Ouais. Hein. C'est vraiment un Peggy 18 ce truc.
Ouais, Peggy 18 et par contre, niveau nudité et cul, je peux te dire, ils ont fait très fort. D'ailleurs, c'est marrant que ce soit pas marqué derrière la jaquette. D'ailleurs, on n'entend pas parler de Famille de France. Je trouve ça bizarre. Ouais, on n'entend pas encore, mais ça va, ça encore. Va arriver, t'inquiète. Ouais, mais je trouve ça bizarre, tu vois. Bientôt, on va avoir les premiers scandales. Alors, il faut attendre une ou deux fusillades encore aux États-Unis pour qu'ils réagissent. Bien sûr, comme tout ça sera lié à la sortie de GTA et au fait que... GTA... Dès qu'il y aura une fusillade, ça sera à cause de GTA, de toute façon. Bien sûr. Cartouche. Zizi Pampan Cartouche, ça vient de là aussi. Oui. Bon, alors. Excellent. On a encore un petit peu de route à faire, je pense. Là. Sinon, on va en tracteur. À tracteur, on ira, on ira après. Vas-y, passe au travers, tu t'en fous, c'est un tout-terrain, ça. Non, mais c'était contrôlé. Là, tu pourras pas Est-ce passer. Que je vais dans la flotte? Non, bah, sur la route, et puis on peut changer de véhicule, remarque. Peut-être essayer de prendre un quad ou un truc comme ça qui est un peu plus tout-terrain. Ah, c'est tout-terrain, ça. Parce que là, la voiturette de golf. Je sais quoi. Oh oui. Ah, pour semer les flics, ça peut être pas mal. Hein. Surtout pour se faire défoncer par les flics. Vas-y, tu coupes à travers champ. La destruction des véhicules. Et j'aime surtout le décor de la banquette, niveau fleurs. Ça fait penser au vieux camping-car qu'on avait avant. C'est le gars, il a coupé ses rideaux et il les a mis sur la banquette. C'est clair. Je sens que je vais mourir si je fais le truc que je veux faire. Mais tu veux monter là-haut et te laisser aller et puis voir ce que ça fait. Oui. Ouais. Mon Dieu. Mon Dieu. Putain. Mon Dieu. Non, c'est bon. Il a même peine à gratigner. Même peine à gratigner. Hein. Oui. Savoir, c'est un peu un warrior. Alors, ça m'étonnerait. Ouais. Bon, vas-y, c'est chaud. Il y a quand même une physique putsch. Hein. Oui, et puis faut pas abuser. C'est pas Need for Speed le truc. Il y a pas de turbo. Oh, on va y arriver à cette zone on va y arriver. De chasse. Est-ce que je vais crever avant? Mystère. Ah, c'est clair que les paysages sont quand même assez magnifiques. Wouraouch hein. Oh. Même pas. Donc, du coup, il y a quand même des choses à chercher hein, dans le jeu. Oui. Il y a des petites. Des petites choses cachées par-ci par-là, on va pas vous dire quoi. Non, mais... mais il y a quand même. Je regorge. Hein, et puis on retrouve un peu. Ouais, Kentucky, hey, voilà, Kentucky. Là, t'as l'impression vraiment de te retrouver dans. Non. Si. Dans Red Dead à l'époque actuelle. Avec, ils ont vraiment pioché dans tous leurs jeux pour blinder ce GTA 5 à fond. Oh putain. Ouais, ça sentait... Et le véhicule, il n'explose pas. Hein. Non. Tu tiens la route. Quoi. Ouais, je crois que c'est le véhicule le plus solide du jeu. Peut-être pour ça que certains critiquent aussi la destruction des véhicules. Ah, c'est peut-être. Parce que là, normalement, ton truc, il est à la masse. Non, c'est bon. Ah, tu veux suivre la route quand même. T'aurais pu tout couper à travers la montagne. Non, mais en fait. Ouais, mais. Ah, mais t'entends un bruit bizarre là. Ma roue, il est en train de rouler sur la. Ah non, Ah si, elle est roulée. Il y a un bruit. Tes roues sont pliées, non? J'ai l'impression que. J'ai l'impression aussi, ouais. Oula. On est pas loin, je crois, non? Enfin, j'espère. On doit y arriver, là. Donc, ça, on va aller faire notre petit très chasse, très pêche. Oui, c'est clair. À 5h du mat. Ah putain, ça serait bien de faire un épisode chasse et pêche, justement, mais version YouTube et le poster à cette heure-là, quoi. À 5h du mat. Pour on fait ce commentary avec des moustaches et avec des vrais fusils, quoi. C'est clair. Genre, le truc, je me tire une balle dans le genou, quoi. Il y avait le petit garde forestier, là. Ouais, mais là, j'ai, tu vois. Oh, purée, je le sens mal. Oh, je le sens mal. Oui, pas du tout, pas du tout. Oui, ça passe. Putain, magnifique. Je sais pas comment tu tiens encore sur ce véhicule. Je sais pas. Je sais pas comment le véhicule. Il est non, par contre, je sens qu'il tremble. C'était quoi ça? Un coyote. T'es sûr? Ah ouais. Sale gueule pour un coyote. Non, mais ça a une sale gueule, les coyotes, en fait. C'est une sale gueule pour un coyote. Ouais, franchement, ça fait plaisir de voir toute cette. Même quand t'es dans les montagnes, de voir toute cette vie et tout. C'est vrai qu'il y a quand même une animation, que ce soit dans la ville ou. Oula. Sacré physique. Ou dans les paysages un peu plus forestiers ou désertiques qui est quand même assez probant. Et c'est, je pense que le travail sur ce GTA 5 est quand même assez énorme. J'ai envie de prendre une caravane et me faire le tour de cette forêt. Ah, il y a le son en parachute aussi là-haut. Non, et on va faire on va se disperser encore. Je peux plus tourner. Par contre, on n'a pas eu d'événements spéciaux dans ici là. Non. Par contre, mon véhicule souffre à mort. Ouais, à mort. Bah, là, il y a un véhicule. Alors ça, c'est vraiment bizarre. Autant on a cherché pendant des plombes autour des entrepôts un véhicule, et là, il y en a un. Non, mais y a pas quelqu'un qui est autour là. Non, mais c'est surtout que je vais l'allumer, le truc il va exploser, c'est ça, non? La voiture est piégée. Non, mais je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que fou ça? Il y a un hélicoptère. Oui, mais il y a le son parachute. Non, mais je tue le mec et je prends son hélicoptère. Est-ce qu'on peut tuer le mec pour récupérer? Vas-y, on a rien à branler de la chasse. Vas-y, là c'est trop tentant, mais c'est ça en fait. Regarde-moi ça. Non, mais regarde-moi ça, sérieux. Voilà, c'est comme ça qu'on joue à GTA, c'est que tu prévois quelque chose, t'as une destination qui est prévue et t'es attiré par autre chose. Vas-y, là c'est trop tentant. Non, tu veux piquer son truc? Non, je veux le tuer. Tu veux pas faire le saut? Non. Bon, bah vas-y. Alors, pique l'hélico et comme ça tu vas aller à la chasse en hélico alors. Exactement.
Ou je chasse avec mon lance-roquette. Oui, mais c'est un peu comme ça qu'on t'a chassé, non? Ah merde! Tu peux pas le prendre? Et puis en plus, il continue. Eh non, il est resté bloqué sur le truc. Ah merde! Vas-y, va de l'autre côté. Ah, tu peux pas le piquer, Stélico, là? C'est cool. Ah non, c'est fait. C'est un événement spécial. Ah merde! Elle me dit. Bon, bah le fail. Bon, bah dommage. Putain, c'est juste pour le saut en parachute. Bon, bah écoute, on va aller faire la chasse. Ouais. Finalement. Ouais, bon, mais en fait, j'ai pas donc, eu de ouais, fail. Voilà, celui-là il sert plus à rien, donc on l'élimine. On t'éradique. Voilà. Donc toi, tu sers plus à rien. Voilà. Vas-y. Ça, c'est fait. Faire tout et n'importe quoi, on peut le cocher sur la liste. Voilà. Faire sauter un hélicoptère alors qu'on en avait pas besoin. Ça manque de chute, alors je vais en faire. Par contre, là, t'as tiré les keufs, t'as deux étoiles. Oh non. En fait, avoir fait. Oui, mais à moins que je me barre avant. Non, mais le mec était là pour travailler donc. Putain. Vas-y, barre-toi. Oh putain, ils sont en face en plus. Monte. Chasse et pêche. À ta droite. Non, justement, faut pas que je monte. Si, si, tu montes, ils vont pas te suivre là-haut. Ils vont pas te voir. Oh là, je sens que je vais exploser. Non, mais là-haut, ils vont pas te voir, tu vois. Je pense que si tu restes là-haut, même ça va. Ils vont. Voilà, reste là pour voir. Pas de barre. Ouais. Oh, mais j'ai envie de descendre. J'ai envie de descendre. Oh, joli. Ils t'ont pas repéré là donc. Ils ont même modélisé les rochers, disons. C'est ce qu'on disait lors de notre première vidéo, c'est que. C'est ça qui est intéressant avec les flics, c'est qu'il n'y a pas de wall hack. Donc. Oui. On voit leur champ de vision, mais si leur champ de vision. Oh non, non, par contre, là, si. Non, 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 dès que tu vas le croiser, il va te voir. Putain, un arbre. Là, il va te voir. Non, 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 il te voit pas. Il te voit pas. Un arbre. Ah non, ouais. Tu dois être caché par une butte ou un truc comme ça, donc du coup, t'as pas vu. Donc c'est ça qui est intéressant avec les flics là aussi, c'est que t'as moyen de leur échapper comme ça. Et c'est d'autant plus dynamique. Putain, il est juste là. Là ça clignote, je pense que le temps qu'il arrive, il est derrière toi. Monte. Ah, t'es sûr qu'il faut que je monte parce que si je monte trop, après, bon. Non, il est là. J'ai sur l'autoroute. Non, c'est bon. C'est bon, ça a disparu. Bon, allez, on va aller faire la chasse, comme ça on va finir sur quelque chose qu'on avait prévu. Ça aurait pu se passer autrement. Oui. Finalement, mais on n'a pas pu piquer les hélicos donc. Putain, mais c'est vraiment chelou les bagnoles. Et ça va être juste en dessous. Là. Ouais, ça va être là. Oh putain, j'ai envie de descendre en bagnole et coller des bombes collantes et juste pousser le véhicule et faire exploser le véhicule dessus. Est-ce qu'on peut? Vas-y, alors, vas-y. Alors, et du coup, l'événement va être supprimé, mais c'est pas grave. Mais rien ne se passe comme prévu. Mais non, c'est ça, GTA. Allez, vas-y. Attends, c'est surtout. Est-ce que j'ai des bombes collantes? Non. Est-ce qu'il t'en reste? Je suis pas sûr. Attends, bah. Ouais, ou alors tu mets de. Oh putain, j'en ai plus, c'est censé. Ah, t'en as plus, merde. Bah oui, c'est bien ce que je pensais. Ah, mais putain, très fort. Mais pourquoi t'as pas de bombe collante? Bah, tu fais descendre la voiture. Non, c'est surtout que je vais descendre autre part que là, parce que je sens que j'ai explosé juste avant d'arriver. Non. Bah, déjà avec le. Attention, parce que. Non, elle a déjà pas explosé tout à l'heure avec la voiture de. Attends, est-ce que je peux mettre un rocher sur ma gueule? Bon, bah, va déclencher l'événement. Allez, chasse, comme ça au moins. Ah non, mais moi, GTA, ça me rend tout fou. Ah, bah, il est là son camping-car. Oh, le camping-car! Mais non, bah là du coup l'événement spécial, ouais. Pooch, calme-toi. Va faire la chasse. Pooch, il veut tout détruire, en fait, le personnage Trevor, je comprends pourquoi tu l'aimes. Oui. Ah, vas-y, va chasser. On va voir ce qu'il va nous dire de chasser. Attends, appuyez pour utiliser votre apo pour arrêter de chasser, après avoir tué un élan. Parce que moi de la chasse, j'en ai pas encore fait. Hein. En fait, si j'explique le truc, parce que là ça t'a teasé de toute façon. Ouais, ouais. En fait, il faut prendre des photos pour que le mec il arrive avec sa fourgonnette et c'est lui qui embarque les cadavres en fait. D'accord, toi, t'as juste à buter en fait. D'accord, toi tu les butes et lui il vient les embarquer. Et t'as même le vent, tu sais. D'accord. Parce qu'au niveau senteur des. Oui, pour pas qu'ils sentent ton odeur et tout, qu'ils soient pas effrayés. Du coup, t'as les zones de chasse là, un peu comme dans Red Dead, hein, qui étaient localisées aussi. Ouais. Et donc là tu dois aller abattre des élans alors. Ah, mais faut pas faire de bruit. Oui, donc du coup tu dois te mettre en mode scred aussi. Et puis faire ça. Merde. Vous voulez vraiment quitter? Non, tu ne veux pas quitter. Qu'est-ce que tu veux faire? Siffler. D'accord, ok. Utiliser ton petit sifflet pour les attirer. Oui. Oh putain. Et surtout, ne tuer que les cerfs, pas les biches. T'apprends ça. Son skill. 1, 2, 3. Voilà. Donc tu en abattes combien là? Bah, tant que tu veux, je pense. Tu te fais de l'argent avec ça en fait. D'accord. Parce que je vois là, bronze 30, ça veut dire que t'en as battu 30 ou un truc comme ça, non? Ah, faut en battre 30 pour avoir le bronze en fait. D'accord, faut en abattre 30 c'est pour avoir le bronze. C'est tout à fait normal, la biche. Oui, elle a pas peur du tout. Bon bah. Je l'éradique aux pompes. J'ai envie de chasser. Hein. Voilà. Ah, donc lui, il faut que tu le prennes en photo. Oui. Donc et avec ton portable. Ouais, et je l'envoie. Le portable qui nous sert à tout gérer aussi dans le jeu. Hein. C'est clair. Voilà. Et donc. Non, la photo Pooch. De merde. Attends, prends une photo. Voilà. On a envoyé la photo avec Cletus. Ok, donc.
Attends, c'est Acletus. Oui, Acletus, ouais. Vous avez vu rester en dehors de son champ de vision. On s'en fout. Okay, non, dans la tête, ça se fait pas très fort. Allez, va, je te donne ça. Putain, merde, fallait pas lui tirer dans la tête. $50, putain. Tire dans la tête, 5 points. Ok, ça te rapporte 5 points. Donc. Ouais, enfin, que je vise autre chose que. Puis, en fait, c'est pas le nombre d'élan. Le bon, c'est les points que t'acquiers lorsque t'abats un animal et tout. Donc, faut bien l'abattre. Hé hey Tu peux voir. C'est quoi ça? Hein? Des élans. Faut que tu prennes en photo un élan femelle. Mais c'est pas un élan, ça, c'est un sanglier. Oui, non, mais lui, il était. Ça va. Voilà, dans le oh, cul. Joli! Accomplissez les défis pour gagner. En fait, j'en ai jamais vu de sanglier. Je pensais qu'il y avait juste des biches ou des cerfs. En fait, non, il y a aussi non, des. Non, t'as un plus alors le champ de vision aux animaux aussi, un peu comme les flics. Mais c'est vrai que le jeu, plus tu avances, plus tu débloques en fait. Attends, je suis sûr qu'il y a des ours. Tu me disais, est-ce qu'il y a des ours? Je sais pas du tout s'il y a les ours justement. Sanglier. Est-ce qu'il prend les sangliers aussi? Non, je crois que c'est les élans là, ta mission. Non, mais sérieux, Bah, ça sera peut-être après, ouais. Je pense que c'est par espèce et tout. Tu commences avec les élans. Allons chasser l'élan. Alors je vais voir combien de points ça te rapporte si tu le chasses au lance-roquette. Va doucement là, parce qu'il doit être vers là. Non, non, c'est un cougar. Non, attends, il y en a un cougar. Là-bas. Voilà comment on chasse le cougar. Ah, puis il prend feu en plus. Attends. Sweet cougar. Oh putain, hey, ça prend feu. Ça prend feu, là. Sans déconner. Comme Far Cry. Attends. Non, je déconne. Aussi bien fait que Far Cry. Non, pas aussi bien fait, mais tu sais... Ah, il est tout petit. Le truc, il est carbonisé, quoi. C'était pas un cougar, c'était non, c'était un coyote. Je sais pas où t'avais un cougar. Hein. Alors vas-y, l'élan, il doit être juste en face de toi. Vous avez vu. Ouais. Il est là. Ah bah, il se barre. Il y en a un autre. Faut que doucement. Putain, ouais, il est là. Alors combien de points ça va te rapporter de l'atomiser comme ça? Attends, parce que je vais le prendre bien sur le côté, tu vois. Ouais. Pourquoi tu l'as cramé? 1, 2, 3. Au revoir, l'élan. Dis bonjour à Disneyland. Non, l'élan a pas pris peur, c'est pas possible. L'élan était atomisé. Au moins, il est toujours intact. Ah bah oui, là, il est intact. Vas-y, prends-le en photo pour voir ce qu'il va dire. Et puis en plus, je l'ai cuit d'avance. Oui, c'est clair, le truc, il est pré-cuit. Il a juste à le vider, quoi. Oui. Putain, est-ce que... Il peut le consommer directement, quoi. Ce truc. Vas-y, on va voir ce qu'il va nous dire, le petit Clétus, là. Attends, j'ai hâte de voir ce qu'il va te dire. Oh, mais c'est super bien abattu, il est propre. T'as enlevé ses poils? Attends. Non, va... Tu l'as complètement explosé. $5, mais pas plus. Allez, un point. Bon, voilà. Ah ouais. Forcément. Non. Oh, vas-y. Oh la vache. Oh non, putain, mon foie. Celle-là, on l'a pas vu venir, celle-là. Non. Par contre, la prochaine fois que je vois une sorte de cougar, je peux te dire, il va manger ma roquette dans les fesses. On a vu qu'un élan abattu au lance-roquette, ça marchait pas, ça non, rapporte pas de points. Faut bien les abattre. Oui. Limite, faut tirer dans le. Limite, faut arriver derrière, lui faire. Je sais pas, dans le cœur, je pense, hein, pour bien les abattre sur la tête. Ouais, je pense que c'est dans le cœur qu'il faut viser. Donc voilà, on finit la vidéo bouffé par un cougar. Génial. Bon, on a réussi à faire tout ce qu'on voulait montrer dans cette première vidéo pour la CTF. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé. On va sûrement en tourner d'autres, ça, il n'y a pas de souci. Notamment lorsqu'il y aura le mode en ligne, on va pouvoir montrer notamment les missions de braquage, hein, parce que c'est vrai que là, on n'a pas fait beaucoup de missions. Une mission où on a utilisé les guns, quoique Pooch a quand même montré son attirail sur les animaux. On va avoir la péta sur le dos et tout, ça va être génial. Tu crois que ça fait des dégâts, ça? Oui, je pense que ça fait de beaux dégâts. Et puis là, les keufs vont arriver. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo. D'autres vont arriver et on vous dit à très vite sur GTA 5 encore pour la CTF. Et puis, continuez à jouer et on jouera tous ensemble. Oh purée, j'ai pas vu celui-là. Tu vas finir par quoi? Par une mort? Ouais, je pense. Je pense que tu vas mourir dans pas longtemps. Ouais, je pense aussi, attends. Si tu restes là, quoi, que tu vas faire un beau carnage. 1, 2, 3. Le 1, 2, 3 vers le jeu. Ça fait plaisir. Oh oui, le 1, 2, 3. Oh non! Non, il a évité celle-là. Oh purée. Putain, dommage. Est-ce que tu vas faire venir alors le SWAT? J'espère qu'il y aura le SWAT va arriver. Là, j'espère que le lance-roquette ne sera pas cheaté dans le online parce que ça risque d'être vite casse-couille. Oui, ça va. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Ouais. Donc en fait, j'ai fait une conclusion, mais on continue à tourner. Donc non, c'est ça en fait. D'accord, rien ne se passe. Donc depuis GTA 5, on change complètement le principe de nos vidéos. Oui. D'accord, ok, j'ai compris. Vous pensez que c'était fini? Okay, non, je comprends que tu veux pas le lâcher le jeu, Pooch. Je comprends. Non, il va falloir le lâcher un jour ou l'autre. Non, si, il faut le lâcher. Tu manges, faut que tu te nourrisses, Pooch. Non, je veux plus. Tu maigris à vue d'œil.
Je suis tout sec. Qui est tout sec depuis qu'il joue à GTA 5. Attends, putain, il faut que je me fasse un micro. Vas-y, vas-y. Avant de crever, avant de crever. Chaud, chaud, chaud. Putain. Vas-y, vas-y. Un an trop tard, putain. Bon, bah. Et tu es mort. Bon, bah, pamplemousse. Dead pamplemousse. Dead pamplemousse. Pamplemousse. Oh, le mix, excellent.